tout le monde, c'est Oran, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 15ème épisode de Dead Space. On s'était arrêté, on avait dégommé une grosse bébête sur la paroi du vaisseau pour émettre un message sur un des vaisseaux qui venait nous aider tout simplement et qui comportait une capsule où il y avait le virus dedans. Et donc le virus s'est propagé, les mecs à l'intérieur sont morts et donc nous on doit Monsieur se barrer. J'ai besoin de vous parler. Je m'appelle Terence Kine, docteur Kine. Écoutez-moi, le temps est compté. Si vous pouvez réparer cette navette, je vous conseille de ne pas l'utiliser pour fuir. Comprenez-moi bien, les forces que nous affrontons, elles nous dépassent complètement. Si vous partez, l'humanité entière est perdue. Ça ne s'arrêtera jamais, jamais plus. Le monolithe est le seul espoir. Vous voyez, l'église a tort. Le piège se referme sur nous tous. Écoutez, vous devez m'aider. Ouais. Je peux pas le sauver. Ma mère. Non, ça fait que je peux plus utiliser l'ascenseur. Voilà, c'est tout. Au revoir. Je préfère être sûr qu'il est mort. Enfin, moi, là, il est mort, je suis quasi sûr. S'il se relève, c'est qu'il y a un problème. Ça va pas. Ouais, de la vie. Dans lui. Sérieusement quoi. Pourquoi je peux pas le prendre? Enfin! What? Qu'est-ce donc tous ces bébêtes? Allez, venez si vous êtes des hommes. Ici, commandant Kanigan! Oh, des amis! D'accord. C'est des soucis. Des soucis malheureux, non? On va éviter de crever. Surtout. Un point de stase. Oh, point de stase. Point de force. Il me faut de la vie. Ah. Si vous êtes demandé. Bon, c'est pas beaucoup, mais au moins. C'est toujours mieux que rien. Vous savez quoi? On va recharger nos armes. Je dis, on va recharger nos armes. Ce jeu que dalle. Bon! Allons voir pervers là-bas. Ah, de la vie! What, c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu. Merde, j'ai vu un bot. Moi, je tue tout ce qui passe. Ah, je vais pas les limiter. Ah ouais, bah fallait le dire. Bon, s'amuser à un jeu, les gens, hein. Merde. Fuck, j'ai tué deux potes. C'est pas grave.
On se casse. Ce signe ne nous intéresse pas. J'aime pas trop ces... Bon, tu as quelqu'un de l'autre côté là. J'aime pas... Putain, il y a de ces bruits sérieux quoi. Oh le mec, il s'est arraché la jambe. Oh le fou. Ouais. Tu es bien et bien mort. Qu'est-ce donc ce bruit derrière? Ah ouais d'accord. Ce truc quoi, wow, t'as pas terre à mettre les pieds là où il faut hein. C'est quoi, je vais prendre mes précautions. Voilà, hop. Bon, les gens, j'annonce, j'ai plus de vie. Faire un truc là. Voilà. Ouais, the fee. Je vais recharger ma stase aussi. Je commence à en manquer, hein. C'est rare que je dise ça, mais je commence à manquer des recharges de stase. Infirmerie. Ça peut m'aider déjà. Ah bah non, c'est d'où je viens ça. Ouais, c'est que robot ça, je m'en fous. Bon, un point de... Je vais sauvegarder. Voilà, hop. Oui. Ouais, la vie. Ah, bah, mais on change de stase. What, c'est quoi ces trucs circulaires? C'est une chakou ou quoi? Alors si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que je déteste ce genre de salle.
messages. Je m'en fous des messages. Tant qu'à faire, on en met deux. Comme ça, il y en a un qui vient juste après que je me suis fait exploser. Et voilà. Bon, voilà, au moins vous savez que je déteste les grandes salles. Faudrait que j'utilise un maximum. C'est les pièges à terre là. J'essaie de les utiliser, mais apparemment ça marche pas vraiment comme je voudrais. Déjà, tu fais plus chier. Oh, on marche dedans. Non, lâche-moi, dégage. Je m'en fous de mes sœurs. Par contre, les gens, je pense que ça va être une tuerie, dans tous les sens du terme. J'aime bien le corps qui tombe. Merde. Ils savent les esquiver, ça. Putain, mais à chaque fois je ramasse ce message de merde. Sérieusement, il y a 50 millions de mobs, vous voulez que je fasse quoi, quoi? Je pense que le seul moyen, c'est de courir et de les foutre dans les pièges. Putain, lâche-moi de... Allez, je vais crever à cause de lui. Alors, il y a deux missiles qui viennent de passer à côté de moi. Oh.
C'est bon, c'est fini. Putain. Voilà, bah, le truc le plus simple, sérieusement, c'était de courir et de les envoyer dans les pièges. Bon, maintenant, le truc, c'est à moi de pas me prendre les pièges et de trouver un poste de garde. Alors, je vais un peu vérifier ce qu'il y a sur les côtés, là. Je sais pas où ça mène, ça. Ça ne mène à rien. Là j'avais tout ramassé. Je préfère quand même vérifier si j'ai ramassé toutes les munitions et tout. Comme on peut savoir, je suis toujours en manque, donc toujours vérifier. Là il n'y a que dalle, là on va éviter. Là il y a un stock, je vais en profiter pour vendre toutes mes conneries et d'acheter des munitions tant qu'à faire. Voilà. Hop. Direction le stook. Bon, est-ce que j'ai des trucs à vendre dans l'inventaire? Ah, j'ai eu des kits de soins max. Alors, ça s'en bat les reins. 14 000, donc ça, 1, 2, 3, 4. Voilà, hop, au moins. Putain, c'est chiant, j'ai jamais assez d'argent pour me faire une nouvelle armure, quoi. C'est bon, c'est rechargé, voilà. Au moins, on a tout rechargé, c'est par là, ouais. Au moins, on a tout rechargé. Il y a toujours cette voix en fond, là, qui murmure quelque chose. Toujours pas le sauver, le mec, là. Bah tu iras te faire le foot. Oh, un point de sauvegarde. Que vois-je? Sauvegardons. Hop. Hop. Voilà. Ça sent les réacteurs de la fois dernière, ça. J'ai pas aimé ce passage. Oh, ça m'a lié, ça. Enfin, je suppose, parce que quand j'ai tiré, ça a arrêté de tirer quand j'avais la visée sur lui. Allez, ouvre-toi, toi. C'est peut-être le docteur. Qui c'est? On peut rien casser. Comme par hasard, je dois aller là-bas. Bon. J'ai un autre pied là-bas. Je sens pas du tout ce passage. Et les coups de rame sont de retour. Je sais pas si c'est des endroits spécifiques. Waouh. D'accord. Que je pousse ça en même temps. En fait. Pas trop ce qu'il faut faire. Je pense que ça c'est une mauvaise idée. Ah, cours, on a rien à foutre. Je vois une porte. C'est bon, je suis en sécurité. Même si j'ai fait le gros taré, mais... je sais pas, j'arrivais plus à pousser le truc, donc je me suis dit peut-être ça s'arrête là. Alors, généralement quand il y a beaucoup de munitions, j'aime pas trop ce qui va passer par la suite.
tour de flamme, hein. Ouais. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Ils me disent de traverser quand même. Vous savez quoi, je vais quand même vérifier un peu les objectifs parce que... j'ai plus entré, il faut que je trouve la salle des réacteurs pour récupérer un réacteur. C'est ça les réacteurs? Je sais pas, parce que là il me dit de traverser... Il me dit de traverser quand même... la vitre. Je pense pas que je puisse. Vous êtes ok. Bon, bah, apparemment, c'est pas par là-bas. Alors, au retour, c'est vraiment, je sais pas comment je vais faire. Ah, mais je touche pas, quoi! Geronimo! Ça court! Bon! Je suppose qu'il ne faut pas passer dans le rayon. Par contre, fuck, du coup, j'ai perdu tout ce qui était en bas, quoi. Bon, ça, c'est bien d'où je viens. Ouais, faut bien monter de toute façon, donc je peux pas faire autrement. Bon, je trouve. Faut que je trouve le système de cette connerie. Là. J'ai pas compris le système. Enfin, j'ai compris le système pour pousser le truc, mais j'ai pas compris pourquoi je cramais alors qu'au début je ne cramais pas. Pourquoi? J'ai encore passé une demi-heure à passer ce putain d'objectif carton. N'empêche, ma façon de rush, ça allait beaucoup plus vite. On va dire moins sûr, mais je crevais. Je crevais moins. Quoi. Là, vous êtes ok, je ne crains pas. Ah, d'accord. Je sais pas quoi ça sert ces trucs. Apparemment je les ai pétés. Mais lol! Je bouge pas, je crame pas, je vise, je crame, normal. C'est quoi? Moi je rush. D'accord, en fait ici c'est fermé. Putain, what the fuck? En fait, tout à l'heure, j'étais bien, moi. J'explose des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, en tout cas, c'est explosé.
Je vais là où on me dit d'aller, c'est fermé, enfin il n'y a pas de porte. Alors moi, sérieusement, je ne sais pas où il faut aller, hein. Sauf aller récupérer un des réacteurs au bout. Enfin, ça fait un peu gros à porter sous la main. De toute façon, putain. Je vais crever. Ah sérieusement, je ne sais pas, sérieux. Je peux rien faire. À un moment. Je suis toujours caché derrière le truc, mais je crame. Alors que depuis le début, je ne crame pas. Du coup, je ne crame pas. Là, vous êtes d'accord? Non, j'arrive pas à l'avoir d'ici. À un moment, sérieusement, je crame. Bon, je ne sais pas si il faut péter les trois trucs de chaque côté. Enfin, je ne sais pas tout simplement à quoi ça sert. Mais en tout cas, je suis en grosse galère. Vous savez quoi, bon, tout seul côté, je m'en bats les reins, je vais faire direct. Je vais pas me casser la nouille. Sur le dernier. Voilà, c'est la fête. Allez. Ah voilà. Il fallait tout simplement tout arrêter. Vous savez quoi, je vais aller en bas chercher toutes les munitions. Je sais pas pourquoi, je crois que je vais me faire arnaquer. On va aller voir là-bas. Hein. Bon. Il me dit encore de passer à travers la vitre, donc je suppose que c'est pas là-bas. Maintenant, on va voir si... Ah.
Ah non, mais c'est tout petit en fait. Énergie insuffisante. Pense. Il n'est pas content. Est-ce que c'est bien ça? Oh mon Dieu, c'est bien ça. C'est la pièce manquante. Au pont d'équipage. Ok, c'est pas là-bas. On se casse. Des coups de rame, des coups de rame. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que c'est par là-bas? Ouais, ça doit être par là-bas. Vu comment tout il pète, ça doit être par là-bas. Ah bah voilà, donc là peut-être ça a pété la vitre. Tout s'explique. Vous avez trouvé le réacteur, c'est notre billet de retour. Emmenez-le à la navette. N'attendez pas. Oh mon Dieu. Il est pas mort. C'est vu de merde. Ouais, il s'est pété les vitres! Ah, j'ai peur! C'est tout! Je n'ai plus aucun signe d'Amal. Il est mort? Oui! Mon Dieu! Nous sommes tous à l'Irak! C'est pas comme si j'étais déjà tout seul depuis le début, hein, personnellement. Ok, on va pervers là-bas. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Évacuez le vaisseau immédiatement. Oh. C'est que ça pète de partout ici, donc. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Évacuez le vaisseau immédiatement. Bon. Hop. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Ce caisse. Bon, on est encore un peu loin, je pense, de se barrer du vaisseau. Il reste encore 3 épisodes dans le jeu. Donc à peu près 6 pour le let's play. Alerte. Enfin 5 sans compter celui-là. Évacuez le vaisseau immédiatement. Oh, le retour de cette fameuse salle de fucking alerte. Merde. Vous pourrez peut-être un peu se calmer sur les explosions, s'il vous plaît. Je vais aller voir un coup là-bas, là. Ok, c'est fermé, alerte. Ça sert à rien, on se casse. Ouais, trop bien. C'est ce que j'aime. Non, non, non. Je me casse. Au revoir. C'était pas par là-bas. Bon, bah moi je suis sorti du vaisseau. Mais apparemment,
C'est pas la bonne sortie. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Évacuez la région immédiatement. Est-ce qu'on peut tirer de temps? Bon, on va tirer de temps. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Allez, mais là, quoi? Mais là-dedans. Voilà, pétain. Bon, on va éviter de faire une connerie de remourir bêtement. Ce serait bien. Ça, c'est de l'ambiance explosive quand même. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Évacuez le vaisseau immédiatement. Bon, évitons de faire des petites conneries. C'est quoi, je vais courir comme ça. Ça sera plus sûr. Putain, à chaque fois il se retourne, ce con. Youpipi! Je suis pas sûr que ce soit par là, mais... On s'en bat les reins! Sortie zone sans gravité. Ok, bon, bah déjà, je suis déjà passé par là-bas. En même temps, c'est un peu de là que je viens. Sortie zone sans air. Allez, ouvre la porte! Est-ce que c'est le bon chemin? C'est le bon chemin! Ouais, ça je m'en doutais, ça faisait un peu trop longtemps qu'on n'avait pas été. Bon, j'aurais bien un petit point de sauvegarde, t'as qu'à faire. Ok, lui vient de là. Ah, suffisait de demander, on change de tram. Tramway. Eh bien les amis, c'est ici qu'on va se quitter. Au moins on terminera sur la fin de l'épisode dans le jeu. On arrive donc à l'épisode 10. Il nous en reste donc 3 en comptant le 10. Logiquement, si j'ai bien lu, il y avait 12 épisodes, comme j'ai déjà dit. Donc, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner au-dessus ou en dessous. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Autant que pour le travail que pour voir qui me suit. Je vous retrouve donc très bientôt pour la suite de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Wow.